Nous commençons dans l'épirogue des PDG de Forrester. Proctor ouvre avec ses bras autour de Taylor et c'est du moins si elle l'interrompt. Mais elle insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Taylor touche soudainement sa poitrine comme si elle avait des problèmes et elle semble pressée de partir. Cependant, Taylor dit que c'est agréable de voir Ridge et Taylor si heureux avant d'ajouter qu'ils ont beaucoup à attendre. Brooke vous dit que Taylor n'est pas tout à fait elle-même et interroge Ridge après le départ de Taylor. Ridge ne l'a pas remarqué et suppose que Taylor est ravi d'être de retour avec sa famille comme elle le prétend. Si c'est vrai, Brooke demande pourquoi Taylor n'est pas plus heureuse. Dans les bureaux du design de Forrester, Steffi maintient qu'elle ne jouera pas les intermetteurs. Mais elle laisse toujours attendre à Hope que ses parents se retrouvent souvent. Steffi insiste sur le fait que Taylor ne revient pas pour poursuivre Ridge, puisqu'elle ne se plaira pas une relation comme celle-là. Malgré tout, Steffi suggère que personne n'a du boule de cristal et laisse attendre que Ridge se retrouvera avec Taylor. Hope, d'un autre côté, ne pense pas que quoi que ce soit, ni personne ne s'interposera entre Ridge et Brooke. Plus tard, Taylor donne à Steffi des mises à jour sur sa belle conversation avec Ridge. Steffi semble intriguée, mais elle admet qu'elle vient d'en parler à Hope et joue qu'elle ne jouera pas les intermetteuses. C'est difficile pour Steffi, parce qu'elle sait que Ridge est le véritable amour de Taylor. Taylor admet qu'elle aimera toujours Ridge, mais elle accepte qu'elle soit avec Brooke. Maintenant, et dit que Steffi devra le faire aussi. Alors que Taylor regarde en photo de Brooke et Ridge ensemble, il insiste sur le fait que l'heure est venue et prometteur et qu'elles ont une longue vie devant eux. Steffi semble un peu pensive à si commentaire alors qu'elle se tient à proximité. Chez Forrester Creation, Will prend un appel téléphonique de Donna qui essaie de le mettre en relation avec une fille. Will a rencontré Urgie qui ne semble pas ravie de la nouvelle, selon laquelle Will pour venir travailler avec les Forrester. Will pose les questions sur Luna et semble surpris qu'elle soit capable de tromper Urgie. Donc, il y a une certaine tension. Chez Bill,
Elle propose à Katie de reconstituer leur famille et lui assure qu'il ne s'agit pas d'un ripon. Il ne se serait même jamais mis avec Bobby si Katie ne l'avait pas rejeté en premier. Will arrive au discours de Bill et suppose que son père veut que Katie revienne. Bill assume l'entière responsabilité de la rupture de leur famille et dit que Will a parfaitement le droit de protéger sa mère. Bill indique clairement qu'elle ne décevra plus Katie et Will. Elle les pousse à se lancer dans la réunion de leur famille. Will dit si c'est ce qui vous Katie. Mais Katie semble mal à l'aise. Katie dit qu'elle est c'est heureuse que Will soit à la maison et qu'ils ont tous eu la chance de passer du temps ensemble. Donc, elle ne veut pas que quelque chose gâche ça. Bill devra travailler plus dur, selon vous. Les retrouvailles de ses rêve. Nous transmettrons donc des prédictions plus romantiques au fur et à mesure que cette histoire avance.